c'est maman Matisse qui tourne aujourd'hui pour une autre vidéo. Je nous connais, USCIS est sorti quelques pièces déjà, mais elle pas de sorti pour Haïti. Il est sorti pour Nicaragua, il est sorti pour Honduras, il est sorti pour Népal, il est sorti pour El Salvador, mais il peut arriver sous nous Haïti. Quand il a fait arriver sous nous, 28 juin qui s'est passé, USCIS l'a gaiement causé. Qui c'est un lot TPS, un renouvellement pour moun ki la rive 3 juin 2024. TPS pa Haïti a que c'est renouvelé ou ap renouvelé, que c'est première fois ou ap fait TPS. TPS la valable jusqu'à 9 mars 2025. El Salvador gen même date avec nous qui c'est mars 2025. Honduras gen 5 juillet 2025, même Jacques Nicaragua. Népal gagne 24 juin 2025, puis Soudan gagne 19 avril 2025. Nous-mêmes, TPS Panouan, la paix expirée 9 mars 2025, même j'avais pas El Salvador là. Nous connaissons pour nous faire application bon forme spéciale pour ça, forme nan relé I-80-21. Dans créole, I-821. C'est forme ça nous devons utiliser pour nous remplir application TPS là. Tout le monde qui l'a depuis 3 juin 2024 éligible pour TPS à condition ou pas gain aucun ta nous même nous carrer les contraventions avec la justice pays a nous éligible peu importe qui côté que nous passer sous frontière que nous venir avec un visa ou bien nous venir dans programme Biden nan, nous tout éligible pour TPS là et nous gain jusqu'à 60 jours à partir de jour été annoncé a pour commencer à faire application TPS là. Donc, nous gagnons jusqu'à 30 dans le mois d'août pour nous appliquer pour TPS. Les gens qui ont 4 travail déjà sur TPS là, automatiquement, notre la sorti, 4 là, li renouvelé. Ça ne veut pas faire application. On va faire application. Normalement, l'application pour TPS plus 4 travail, mettez en tête nous. Ou ka continuer travail de pou faire application gon en forme y a voye ban nou lè sa nou ka aller nan travail avèl m konnen gen an pil moun ki te gen difficulté ki te commencé stressé parce que travail te commencé mande yo 4 travail et automatiquement 4 la expiré ou ça vle di ou gen an pil chance pou perdre travail nan. Donc c'est une bonne nouvelle tout moun pou tout migrant sa yo ki sorti nan Amérique latine ki sorti en Asie ki sorti Haïti. Donc c'est on délivrance pour moun ki en bas TPS kap travay et puis ki pote kon ki kote yo gad. Pour nous finir n'ap di nous gen environ 214 000 haïtiens qui en bas TPS et yo prévoit ap gen 300 000 moun ki ajouté moun ki vini nan Biden ki sorti sous frontière ou bien moun ki vini ak visa. Donc si nous gen plus question par rapport avec TPS nous ka toujours fèl nan commentaire et puis nous connaît page mwen. Et m'a une page Facebook moi qui c'est maman Matisse, moi une page YouTube là qui gagne même nom comme ça tout nous ca joindre moi sur Instagram qui c'est ça sur _509 pour poser question non écrit moi et m'a cap répondre non si m'pa gagne réponse rapide m'a aller faire des recherches là pour nous comme ça tout si m'pa gagne tout m'a dit non m'pa gagne. Donc c'était maman Matisse qui était là pour une autre vidéo, m'espérer nous pas contenter nous garder vidéo mais n'a partager avec l'autre. N'a pas like, n'a pas fait commentaire, et puis n'a pas parlé plus monde de Chanel, ça, qui vraiment a grandi. Moi, merci nous toutes pour, titan nous ban moins d'en garder ces vidéos, yo, et poser question, commenter. Merci en pile nouveau abonné. Bienvenue pour moun, ça, yo. M'espérer, n'a pas continué dire l'autre, partager, commenter, et puis pour nous faire Chanel, là, grandi. Merci nous toutes, c'était maman Matisse, à la prochaine. Bye bye.